Salut à toutes et à tous la famille de Cannes, j'espère que vous allez bien. Je vous prends 2 minutes avant le début de la vidéo, tout simplement pour vous souhaiter la bonne année. Alors, pourquoi je ne vous le dis pas dans la vidéo? Parce que je l'ai tourné juste avant les fêtes, hein, je l'avais tourné avant. Et j'avais tourné une vidéo où je faisais quelques invocations sur le portail du Gohan, où j'ai fait une multi, puis j'ai refait une multi sur le Goku Ultra Instinct, mais la vidéo n'a pas été... N'a pas été... Enfin, n'a pas été sauvegardé, donc je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année, une très bonne santé surtout, et que voilà, cette année 2018 se passe bien au niveau familial, au niveau d'Okan et tout ça. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde. Salut à toutes et à tous la famille de Cannes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo, les amis, sur la version japonaise de Dokkan Battle. Et oui, comme vous le savez tous, sur la version Jap, il y a deux excellents portails qui sont sortis. Le portail de Vegetto Blue et de Rosé. Alors les amis, avant de commencer les invocations, je devais faire cette vidéo, pseudo-vidéo, en live. Je devais faire les invocations en live, tout simplement. Sauf que je n'arrivais pas à le lancer, je ne sais pas pourquoi. Le live ne voulait pas se lancer. Et vu que j'étais très pressé de faire les invocations, bah du coup je vous le fais en vidéo. Alors je ne sais pas si je claque tout sur VB. Parce que vous allez voir, le portail est quand même très sexy. Même si je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je n'invoquerai pas sur ces portails, sur la version globale quand ça sortira. Ou sinon peut-être que je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Alors, VB, hein, personnage que je voudrais mais qui m'est pas indispensable vu que je n'ai pas une énorme team super. Gohan Ultimate qui est très bon. Je prends aussi. Parce que voilà, il est stylé tout simplement. Goku SSJ4 que je prends. Donc voilà, je prends les deux. Pour avoir... Je vais baisser peut-être un petit peu le son de la musique, ça va peut-être être un peu fort. Voilà, je pense que ce sera bien là. Alors, oui, les deux, si j'arrive à les dropper, sachant que j'ai déjà un Vegeta SSJ3 à tank, ça pourra me faire un début de team puissance pas trop dégueulasse. Goku SSJ3 qui a eu son limite break, qui est très très bon. Je prends, sachant que je l'ai déjà, donc ça ira dans l'arbre de compétences. Gotenks SSJ3 Endurance, très bon Neo God aussi du team de la type. Oh là, j'ai du mal entre type et team. Du type Super Endurance. Beerus, alors lui, Dokkan Battle commence à me saouler, à le mettre dans tous les portails. Il sert à rien. Ce Beerus, il pue. Enfin voilà. Il faudra peut-être qu'ils apprennent à l'enlever. Et là, après, un Beerus. Un Trunks Ikari. Super classe. Franchement, je vous dis, juste dans ce portail, je peux avoir une team super parfaite. Semi-parfaite. Regardez-moi l'aspect. L'aspect, elle est magnifique, les amis. L'aspect, elle est magnifique, j'adore. Et ensuite, c'est que des SR. Voilà. Que des SR de douille. Alors, je vais vous montrer l'aspect du VB. Alors, comme pas mal de gens, je pense, personnellement, je préfère l'attaque SP sous cette forme-là. Que sous sa forme de canne, tout simplement parce que voilà, elle est stylée. Vegetto Blue qui en gros insulte son adversaire en lui faisant ça avec la main. Il l'insulte et puis là, bam, le coup d'épée. C'est magnifique, cette spé, elle est sublime. Donc voilà. Je sais pas pourquoi ils nous ont foutu une spé aussi belle et après une spé dégueulasse, mais bon. C'est Bandai Namco, hein, c'est eux qui gèrent le truc. Ensuite, le portail rosé, vous allez voir qu'il est splendide. Mais j'hésite à invoquer, voilà, c'est pour ça que je vais vous le dire pourquoi j'hésite à invoquer sur ce portail. Parce que je n'ai pas de perso de type extrême. Et oui, je n'ai pas de perso de type extrême, du coup, si je drop que le rosé, ça servira à rien, malheureusement. Mais sinon, rosé, leader du type extrême. Regardez-moi ça, c'est les amis. Cet aspect, elle est magnifique. Bon, perso, je préfère sous sa forme d'Okan. Là, pour celui-là, du coup, je préfère sous sa forme d'Okan. Parce que, si je me rappelle bien, il y a trois rosées qui sortent de je sais pas d'où. Enfin, bref. Moi, perso, je préfère sa forme d'Okan. Omega Shenron, leader de catégorie. Très bon aussi, hein.
Broly SSJ3. D'ailleurs, je me rappelle pas de sa spé. On va la regarder ensemble. Alors, néo leader de la catégorie SSJ3. Qu'est-ce que je raconte? Ah, les amis, je suis fatigué. Néo god du type extrême tech. Oula, je vais y arriver. Je suis fatigué, je suis fatigué. Néo god du type extrême endurance. Voilà, c'est bon, ça commence à glisser tout seul. Donc, couleur, très bon. J'aimerais bien l'avoir sur ma globale. Super C17. Néo God Tier du type extrême agilité. Black Goku. Et etc. etc. quoi. Du Zamasu. Nanana, voilà. Moi, je trouve que les deux portails sont des portails semi-carottes. Pourquoi? Regardez-moi tous les SR, les amis. Franchement, c'est pas abusé. Sur un portail comme ça, 3 SR pour les deux. Hein. Et je crois même que le. Non, il y en a 3 sur celui-là aussi. Sur celui-là, il y en a 3 aussi, je dis pas de bêtises. Ouais, il y en a 3 aussi. Franchement, foutre autant de SR sur des portails comme ça, c'est de la douille. Enfin, bref, ce n'est pas trop grave. On va commencer par VB. D'accord? Si je drop du très très lourd, bah on arrêtera la vidéo. Et bah, enfin, si je drop rien, je continuerai. Sinon. Je vous ferai ça dans une autre vidéo pour Rosé. Donc voilà. Allez, on va commencer les amis parce que on blablate, on blablate, mais on a envie d'invoquer quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Espérons dropper du lourd. J'espère les amis que vous aurez droppé du lourd. Même ceux qui n'ont pas encore invoqué, j'espère aussi que vous aurez droppé du lourd, enfin que vous allez dropper du lourd. Donc voilà, bonne chance à tout le monde et tous ceux qui ont déjà droppé, bravo à vous. Aussi les amis, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour le soutien parce que j'ai farmé tellement de DS les amis pour faire cette vidéo. Pendant 3 ou 4 jours, voire 5 jours, j'ai pas arrêté de farmer pour la vidéo. Franchement, ça mérite un gros pouce bleu les amis. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr, pour voir mes autres vidéos. Ça ferait plaisir. Allez, un Chaozu et un Krillin. On commence mal, 2R. Goku SR Endurance qui se docane en SSJ3 pour monter l'aspect DSSJ3 GT. Un Trunks. Un Yamcha. Alors j'ai vu que les taux de drop étaient vraiment mauvais. On va dire. Ils étaient vraiment très 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 mauvais. Bah je pense que ça se voit là. Ah, on a eu un perso du portail et la première multi qui est une multi cacarotte, les amis. Ah, on aime ça, nous. On aime ça, se faire cacarotter. Bon, allez, deuxième multi. Il se transforme. Allez, SSJ1, SSJ2. Pas de SSR garanti. Toi, je t'aime pas. Tenchinan. Toi, je t'aime pas non plus. Encore un Goku. Bon, les amis, on va quand même pas se taper. Un Bios. Un Whis. On va pas se plaindre. Un Gohan ultime pour monter l'aspect du puissance. Si un jour on drop. Parce que vu comment c'est parti. Enfin, je veux pas dire, mais voilà quoi. Allez, on continue, les amis. Troisième multi. Eh ben, c'est pas fameux, fameux tout ça. Hein. Il se transforme. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai très rarement des bye-bye, les gars. DSSJ3. Je vois des youtubeurs, ils ont que ça. Des bye-bye. DSSJ3 à gogo. Moi, j'en ai pas. Je sais pas où ils sont passés chez moi. Je sais pas. Gohan 1-2-3. Gohan 1-2-3. Oui! Oh oui! Yes! Ah, c'est très très bon. Gohan ultime puissance, les amis qui tombent. C'est très très bon. Avec Goku SSJ4 et le Trunks. Ah, c'est pas le bon. J'ai cru. À un moment donné, j'ai cru. Bah, je suis très content du Gohan. Alors, on continue. Et bah, le seul SSR de la multi qui est très très bon.
Voilà. Que demander de plus? Allez, la multi gratuite, les amis. Bon, je pense qu'on va continuer. Hein. On va continuer. Et je pense que c'est peut-être la musique aussi qui joue. Ah! Oula. Oula, une capsule. Ouh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, les amis. J'ai peur. Ah, je vous le dis, j'ai peur. Goku. Nail. Nail Gauthier, Lucas TV. Allez. Avec Nail, généralement, on drop du lourd. Petit Goku CJ4. Allez. Deux billets où il se sert. Une Videl. Trois billets. Oh, purée. Ouais, bah non, multi-carotte, hein, forcément. Ah oui. Bon, allez, on continue sur ce portail. Même si j'ai un petit peu attiré hein, quand même par lui. Parce que si j'ai de la chance, imaginez, vous avez de la chance. Vous droppez une team extrême directe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ouais, et 7. Vous enlevez Black Goku, vous mettez celui-là. Et 7. Donc 6, voilà, ça vous fait vos 6 persos dans la team de Black. Si vous avez de la chance. Du coup, vous avez déjà votre team extrême, quoi. Ouais, c'est pas grave, allez. On continue sur VP, allez, c'est pas grave. Allez, on casse un peu le détecteur. On va remettre la musique au début, hein. Alors, ça tend par la droite. On aurait peut-être pas dû casser le détecteur. Mais il se transforme direct. Allez, 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 là. Allez, un petit VB en Goku CJ4. Ah, je vous dis, si je remplis l'un des deux, c'est lequel? Je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire. Je prends pour ma team puissance. Si je drop Goku CJ4, par contre, là. Si je drop Goku CJ4. Ce sera parfait. Ma team puissance, ça prendra un hub du turfu. Allez, 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 allez. Alors. Une, deux, trois capsules. Ce qui n'est pas ouf, ouf en soi. Je préfère avoir. Cette capsule. Vous l'avez vu. Ouf, vous l'avez vu. Oh, le 6 à 46. Oui! Oh, oui! Yes! Ah, yes! Ah, faut que je drop VB. Les amis, faut que je drop VB. Le Gotenks CJ3 Endurance qui fait plaisir. Allez, 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 allez. Gotenks GT. Je sais même plus comment il s'appelle, lui. Les amis, il me reste encore deux multi, les amis, et je crois que sur les autres, j'avais pas mis le cadenas. Enfin, c'est pas grave. Les amis, deux multi pour dropper Goku SJ4, VB et le Trunks. Deux multi. Non, transforme-toi pas. Oh là là. Allez, 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 allez. S'il te plaît, s'il te plaît. One, two, three. Eh, ce Yamcha, il me... Gohan GT. Bardock. Que je vais passer en SSJ3, du coup, vu qu'il est gratuit. Et il est très très beau. La carte est très très belle une fois SSJ3. Ah bah, c'est ça, il me met un point, là. Bon. Allez, on casse un peu le détecteur, allez, hop, 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 là. Allez, 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 allez. Il se transforme déjà. C'est dur, les amis. Voilà. Plus de vidéos. Je veux dire, plus de musique, quoi, en gros.
Dernière multi. Pas de vidéo. Et on y va tout doucement. Tout doucement. Vegeta. Gohan. J'ai l'impression que j'ai moins de chance sur ce portail, enfin sur ce compte que sur mon compte global quand même. Je veux le puissance! Arrêtez de me foutre la J! Non, quand même pas deux multicarottes d'affilée. Oh, ça fait mal, les amis. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Sur 8 multi, on va voir hein, ce qu'on a droppé. SSR, je crois que date, c'est ici, si je dis pas de petit. Non, c'est pas là. Je crois que c'est ça. Je crois, je ne suis pas sûr. Si, si, je crois que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, les amis. Oh, je fais tout comme ça. Même si je sais que celui-là, c'est par type, mais on sait jamais. C'est ça. Mince. Par date. J'ai mal. Les amis, je vais pas vous cacher que j'ai mal. Pour 8 multi, 5 SSR. J'ai même pas un taux de drop de 9%. Est-ce que vous vous rendez compte? Même si j'ai drop lui et lui, je n'ai même pas un taux de drop de 8%, les amis. 5 personnages sur 8. C'est violent quand même. Quand t'apprends ça, tu te dis, mais je me suis pris une grande carotte. J'espère que vous êtes d'accord avec moi quand même. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre du coup? Regardez, imaginez. Ça, c'est Goku et c'est J4. Imaginons. Tac, tac. Bon, je mets lui, mais juste pour le lol. Et je crois que c'est une type super aussi. Voilà, j'aurais mis ça à la place de du Goku là. J'aurais mis, si je l'avais eu, le Trunks. Et j'aurais une team super puissance qui serait passée, franchement. Elle était pas horrible. Après, pour la team endurance, pas aller loin. Voilà. Voilà ma team super endurance. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, elle est pas mal. Sinon, catégorie, c'est laquelle? Non. Non plus. Non plus, bah dis donc. C'est relou, hein, la version d'écriture japonais. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà, je peux mettre ça et puis ça. Voilà, grand max, je peux mettre que ça pour la team sans mêlée. Vu que je n'ai pas. Mais je comprends pas, attendez. Ah, mais non! Mais non, mais non, mais non! Attendez, attendez, attendez! Mais oui, mais oui, mais oui! Il rentre normalement. Attendez, 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 attendez. Ça rentre. Obligé, ça rentre. Si ça rentre pas, je pète un plomb. Il est où? Il est là. Voilà, lui, une fois qu'il sera en LR. Voilà, j'ai ma team. En soi, ma team sans mêlée, elle est pas dégueulasse. Hein. J'ai le support, qui fait partie de la meilleure méta, obligatoire. J'ai lui, le SSJ3, qui est obligatoire. J'ai bientôt le LR. Bientôt. Et là, à la place de Gohan, ce Trunks, on peut le garder en soi, parce qu'il est pas mauvais, si je me rappelle bien.
Mais lui, on peut le virer et il faudrait que j'essaye de dropper le bloqueur de spé. Le Gotenks Endurance bloqueur de spé. Ce serait quelque chose à avoir. On peut tenter une single. Bon, ouais, on va tenter la petite single du désespoir. On va la faire à la Yekaïs. Hein, vous savez, on casse le détecteur, single d'amis, 5 single d'amis, single d'amis. Hop, on casse le détecteur. Tac, on casse le détecteur. Tac. Hop, et hop, maintenant on va faire la single d'amis. Ou les singles d'amis, je crois qu'il en fait 2 ou 3. On va tenter sa technique. On va voir si juste il a un gros coup de bol. Ou alors, ça marche vraiment. Est-ce que ça marche vraiment? Après, c'est sur la version globale qu'il le fait. Peut-être que sur la version globale ça marche et pas sur la version japonaise. Qui sait? Bon, allez, allez, hop là. Allez là. Et après, on va sur la. Après, on va faire la single. Hein, je vais pas faire 3. Hein. Alors. Bon, je pense pas claquer d'autres DS, hein, clairement. Je claque pas d'autres DS sur ces portails. C'est une grosse carotte. Voilà, vous l'avez vu, hein, 5 persos pour sur 8. 5 SSR sur 8, clairement. Clairement, je suis déçu. Il se transforme. Pas de capsule, il se transforme. Peut y avoir quelque chose. Voilà, c'est LVB, mais je rigole. Ouais, voilà. Bien ce que je pensais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, on va regarder si. Combien. Enfin, est-ce que j'ai des virus SSR? Je crois pas que j'en ai. Regardez! Regardez! J'ai droppé que de ça! Que des virus! C'est un truc de ouf quand même! Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6 virus! 1, 2, 3, 4! 4 Gohan ultime! Combien j'ai qu'est-ce que j'ai droppé d'autre? Des Jaco, des Piccolo. Bah, attends de faire des points baba. J'avais presque plus de points baba, bah. Bah là j'en ai plein. Ah ça m'énerve les amis. Franchement, quand t'es free to play, comme moi sur cette version, sur la version Jap, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Vous imaginez même pas à quel point je suis déçu. Et donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je n'invoquerai pas sur ces portails de. Sur la glo. Alors, il y a trois raisons. Trois raisons. Le taux de drop. Alors, est-ce que le taux de drop sur cette version et la version globale seront pareils? Ou est-ce que la version globale, comme d'habitude, aura un taux de drop un peu plus élevé? Donc, du coup. Ma chance sur ma version globale sera plus augmentée. Enfin bref, voilà. Première raison, le taux de drop. Déjà, sur la version Japa m'a dégoûté. Enfin, je viens de vous le dire, ça me dégoûte, je vais vous le dire sincèrement. Deuxièmement, parce que je ne peux plus farmer de DS. Voilà, j'ai farmé tout mon compte. Je n'ai plus aucune DS à avoir. Même que ce soit sur les boss, vous savez, des random. Enfin, comment on fait pour faire les random rush et tout ça, là où il y a tous les boss et tout ça. Ça, j'ai tout fait aussi. Tous les événements actuels, je les ai tous faits. J'ai presque plus aucune DS à farmer. Faut que j'attende. Enfin, là, en gros, faut attendre les nouveaux portails avec les nouveaux events. Les ZTUR là, qui vont arriver, qui donnent des DS. Je dis pas de conneries. Bah, en tout cas, celui du Broly Puissance, a donné 30 DS. Si je dis pas de bêtises. Les événements LR, là, comme les C17 et C18 LR qui vont arriver, tu peux récupérer 30 DS, si je dis pas de bêtises, ou une 20-25. Et tout comme ça, enfin voilà. Là actuellement, sur ma version globale, je n'ai plus de DS à farmer. Et de 3, les détecteurs. Vous l'avez vu hein, dans la vidéo. Tous les SSR qu'il y a sont bons. Voilà. Ils sont très très bons. Après, bémol, SSJ4 sur mon compte Glow, je l'ai à 100%, avec un doublon qui traîne dans ma box hein, en plus. Je l'ai eu 6 fois, donc voilà, s'il y est sur le portail, déjà, ça me mettra un petit coup de freinage.
pour invoquer. Ensuite, si 1, 2, je crois que je l'ai pas, donc 3 et 4, 4, 5 persos en soi, 5 persos du détecteur que je n'ai pas, c'est beaucoup. Mais c'est pas des persos que j'attends. Clairement, VB, c'est pas un perso de. C'est un très très bon perso, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est pas un perso de ouf. Personnellement, je préfère attendre pour un Jiren qui va être ultra pété et un, je sais pas, un autre Goku ultra instinct et un Vegeta ou un Vegeta ultra instinct. Hein, qui sait, apparemment, il y aurait un Vegeta ultra instinct qui arriverait sur Dragon Ball Super. Apparemment. Moi, tant que j'ai pas vu, je le crois pas. Après, c'est peut-être sûr. Hein. Donc voilà, voilà tous les SR. Voilà autant de SR. Vous êtes sûr de dropper que de ça. Vous l'avez vu de toute façon. Sibirus, 4 ou 5 Gohan. Pareil, 4 ou 5 Trunks. Franchement, c'est de la grosse douille. Après, sur le portail rosé. Clairement, le portail rosé, je sais pas. Parce que j'ai, sur mon compte global actuel, j'ai. Alors, quand lui va arriver, 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, et 5. Ah non, pareil en fait. Je pensais que j'en avais 6, mais non. C'est vrai qu'il y a un Black Goku dedans. Et voilà, 3 SR, pareil. Portail carotte, hein, c'est. Tu vas dropper en masse de SR, des trucs comme ça, de tout pourri là. Ouais, je pense que si j'avais invoqué sur ce portail, ma chance aurait été pareil, hein. Des SR. Des SR, des SR, des SR et des SR. Donc voilà, les portails sont pas dégueulasses. Lui, j'en ai besoin en plus, mais. Voilà. Et donc, quatrième raison qui me dit de pas invoquer sur ce portail. Après, vous allez me dire, oui, mais s'il y a des tickets et tout, comme Goku Ultra Instinct, tout ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Ce sera tout dépend des promos. Si c'est une promo 25, 30, 50. Et une gratuite. Pourquoi pas en faire un round? Pourquoi pas faire un round? Mais par contre, sinon, j'en ferai pas. Voilà, donc voilà. Sinon, j'attends les 3 ans du jeu. Là, sur la version Japon, on va voir ce qu'il y aura. J'attends les 3 ans avec impatience parce que je suis sûr pour les 3 ans il va y avoir un truc de folie. Et pourquoi j'en suis sûr? Parce que avec Fighter Z qui va bientôt arriver, tout ça, le jeu va mourir. Dokkan Battle va mourir. Je sens que en plus, de plus en plus là, Dokkan Battle est en train de mourir. Même sur la version Glow, tous les joueurs commencent à être de plus en plus dégoûtés avec par exemple ce qui s'est passé le 25 décembre. Voilà, une DS, un ticket Satan, les portails de Gohan, même pas des promos, enfin même le portail il est pas ouf, le taux de drop il est pas ouf non plus. Enfin bref, beaucoup de gens sur la version globale gueulent quoi, hein. Après là, à l'heure actuelle je sais pas, mais il y a 3-4 jours ça gueulait. Sur la version Jap, ça gueule pas mal aussi, enfin moi je rage, après il y a Kaïs, j'ai vu sur un de ses lives, il a ragé, et parce que. Sur, je crois qu'il a fait deux rerolls, il a eu que de la mouise, on va dire comme ça. Moi, là, j'ai que de la mouise aussi. Enfin, voilà quoi. Franchement, Dokkan Battle, franchement, ça me dégoûte de plus en plus. En soi, je prends toujours du plaisir à jouer. Mais plus ça avance, moins le désir s'améliore. Donc, pour qu'il redonne la hype au jeu, pour qu'il me redonne la force de ouf, pour qu'il redonne le désir de jouer à tous les joueurs d'Okan, ou en tout cas à la plus grande majorité, il faut que pour les 3 ans, ils mettent un truc de ouf. Donc, je pense que ça va être pour les 3 ans, il va y avoir une dinguerie, une bombe atomique sur Dokkan Battle. C'est presque sûr, hein. C'est presque sûr à 100%. Regardez pour Vegeta et Goku CJ4, la hype atomique. Si pour les 3 ans, ils nous sortent pas une plus grosse hype, parce que déjà pour les 1 an, je crois que c'était Gogeta Puissance et Janemba, si je dis pas de bêtises, c'était une hype, voilà, c'était une hype, une bonne hype. Ensuite, le Vegeta et Goku SJ4, ça a augmenté de 50 000 XP dessus, mais là, faut que ce soit pareil, faut que ça augmente de 70 millions d'XP au-dessus. Faut que ce soit un Jiren avec un Goku Ultra Instinct maîtrisé, ou un Vegeta Ultra Instinct, ou un Gogeta Ultra Instinct, je sais pas moi, mais un truc de ouf pour relancer la hype.
Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo invocation, enfin cette longue vidéo invocation et blabla vous a plu. N'hésitez pas à laisser un grand pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir les amis, parce que voilà, j'ai passé énormément de temps à farm pour avoir au final de la merde, voilà je vais le dire, de la merde. Sauf deux persos, voilà, deux persos sur 8 multis qui sont bons. Et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez droppé, si vous avez droppé du lourd, du moins lourd, voilà. Donc salut tout le monde, et surtout, n'oubliez pas que ce portail, c'est une grande carotte. Allez, salut tout le monde.